Free PDSP. You know what I mean? Yeah, why? Let's go. 14, 14. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je rappelle le roi, R-O-I, c'est-à-dire celui qui va remettre l'ordre interne, l'intérieur du Congo. Pas votre Congo de morcelé, non. Votre Congo de Berlin, non. C'est pas les Congolais, non. Pas des Congolais, non. Pas des les Congo, non. Les Congolois. Ceux qui se rencontrent dans le Congolois, c'est-à-dire l'Angola, la RD Congo et la RC. C'est les trois Congos qui font le Congolois. Le territoire de Congo, la loi Congo. Les lois Congo qui n'est autre que les 10 commandements. La constitution, l'acte fondamental du Congolois. Un Congolois, un Congo qui vit sur la loi divine, c'est Exode 20, 1 à 17. Et en ce moment-là, nous verrons d'où viendra leur disposition inappropriée qui ne sont pas en phase avec un Kamba Banza Velela. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes africains nommés donc enseignement noir depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race, ce peuple qu'on a qualifié de noir. Quelle abomination! Mon nom, Siyakala Vanafulu Kiani, Moussoué Soazizi, Kakintinu Kentinu Wowo. Vous dites bien, mon nom est Siyakala Vanafulu Kiani, Moussoué Soazizi, Kentinu Wowo. Siyakatulan Sonizantangwanda, Yiloutidi. Ba mwe se se kwa bandombe. Kanda. Kadika kwenna kanda de mwe so mpasi. Uvo de mwe so mpasi bon son kanda mandombe mwenza ya wonso ko. Kadi mwosi ko dia mwe so mpasi. Ye sakononwa. Luti lan kanda ndombe. Kanda ndombe, kanda ndombe, kanda wansinu, Yerusalemu, manza toko kakuveni. Ngenkanda ndombe, kanda wansinu, Yerusalemu. Manza toko kakuveni Yani wazola bate kakema Pasinge ya fili wabaka nambutatu Ngaluze idiambwe Silwa kondwa nkembo mumatingu Mulemi kwikila ulubuke andombe kadada kuzuka nani waza ya vosi ya kitukajaka muntu vandusa nuselo kangwa wansu wanza dada simoni kimangu kenga nidu tonele genkana ndombe wawo waza wakitula wavutla udiaka kuntuala Utabu sankumakana mumanza, tuka muna manza vena la Yerusalemi diampa, ivuvu keto. Kambenza Kambenza
Munankaka mbenza mono dialungana yivo velanga munatat muna papa mbenza mono dialungana yivo velanga atata hey kimpa kwani kimpa twenda kwani mtwala tunalanda verset 15 du chapitre 33 du livre 4 le ministère dans le kimongisme. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Je répète, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr. Car cela serait contraire à l'évangile, donc à la bonne nouvelle. On ne peut pas haïr son prochain, son semblable. Il faut plutôt entreprendre une action spirituelle pour débarrasser de l'esprit qui vous met en contradiction. Parce que c'est ça le pouvoir spirituel. On n'a pas besoin d'affrontement physique, on n'a pas besoin. C'est la masteresse. Pourquoi? C'est pas utile. Mais c'est l'esprit, Tata Kimbam, qui en gagne. C'est lui que nous faisons appel. C'est à lui que nous implorons la puissance divine, la puissance convenable pour débarrasser, grâce à ce principe d'amour, aimer son ennemi. Parce que l'ennemi, il est utilisé. Il est ignorant. Ainsi donc, nous devons le confondre. Parce que le Christ Jésus, dans ce qu'on veut lui, dira « Mbi kaisan swangako ». Nous ne devons pas entreprendre le mal par le mal. Parce que si tu rends ce que tu fais, me fais du mal, moi je rends le mal, et ça sera la perpétuation. Et le Christ Jésus, Papa de Longana, dira « Non, mbi kaisan swangako ». On ne rend pas le mal par le mal. Parce que si on rend le mal par le mal, on le perpétue. Non, on n'a pas besoin de faire le contraire. Donc, nous avons l'obligation, en dépit donc, on est le 17-21, à Madasana, s'il vous plaît, Papa Simon Dimangoupa. Donc, en dépit de persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr. Kanelevo, ntantu, wenetu tokanasa, katuleni sakuvangi la mambiko, tu fais tu songamba nduya zola, kadi, muna zola, tu fais dire anansangu za mbote. Quand tu fais des vanga, bon, si vous voulez, vous avez un peu de mbote, 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 vous avez. Continuez à lire la Bible, car à travers, verset 16, ces écrits, continuez donc à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez
à discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ce livre. Méditer sur les écrits et les principes moraux qu'il renferme. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Et oui. Mutatamana mutaga bibila. Mumansono komandi silwatambula njona. Mumavanga mabau baiza kutunatina nkanda wowo. Yemasono kwa evonsi kudusu za njatulu zena mukanda wowo. Bika mwivi kakangama yekima kinaka yembele ntantu wa yemba diabeto diamo tumelo kitula watula ya ninkumu kanzi kade ya nikoniko diabeto kibene tata mfumo longo diangida kutima Bruxelles. L'évangile, vous devez vous l'approprier. Ne le prenez pas comme quelque chose de l'importation. L'évangile est notre. Et oui, mes amis, c'est d'autres. Nous avons un bon sens à bête qui bête les amis. Ça bête qui bête. Do continue to read the Bible. From its scriptures, you will arrive to discern actions of people who bring the holy book. Aren't moral principles contained inside it? It's very wise to catch chiefs with proof of culpability. 17. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Quand sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ et que les enfants de Dieu venus du monde entier se joindront à nous. Bendele dite la main Mkumu aïsumbulouzi Nzaya yo si yakutakana Mumongo ansilu watu sila Mbada sanda Tata Kimbangu, il dit, je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu. Exode 20, 1 à 17. Deutéronome 5, 1 à 21. Et car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ et les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous. 19. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites les choses cachées pour le peuple noir, le peuple nommé. Le noir, je vous dis que j'ai mis entre parenthèses dorénavant parce que je rappelle le mot noir qui vient du latin négro ou négrité, objet de peu de valeur, non. C'est vrai que là, nous sommes en 1921, c'est normal qu'on puisse utiliser. Mais à partir du 24 décembre 1992, date à laquelle le Christ Jésus, Papa Dialungana, le seul qui n'est pas revêtu de sac de l'expiation de Pitié d'Ève, c'est elle, c'est lui donc, Papa Dialungana, le Christ Jésus, dans sa seconde venue, dans son action de la construction de Nkamba, de faire rentrer dans la bergerie, le centième brebis, qui n'avait pas pu faire rentrer là-bas, à Nazareth. C'est ici donc, le 24 décembre 1992, le terme de objet de peu de valeur n'a plus le droit d'exister. On s'approprie de notre qualificatif convenable, qui est donc le ndombé. Ndombé, qui vient du verbe ndombélé, c'est-à-dire le peuple demandeur, le peuple déiste, le peuple qui adresse les demandes à leur créateur, Papa Kimbangu. Aujourd'hui, il s'appelle, avec le post-nom de son père et de fils, Papa Dialungana Kiangani, donc, pas Simon Kimbangu qui a gagné. Ainsi donc, je continue en disant, nous aurons notre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race Ndombé et le peuple du Congo, donc les Congolois et non les Congolais, parce que les Congolais sont divisés. Il y a Berlin qui a fait son affaire, il y a la RDC, il y a la RC et l'Angola. Non, ça c'est des Congolais, nous on n'est pas là-bas. Nous c'est des Congolois,
C'est-à-dire, Tata Kimbangu, on ne peut pas le disloquer. Il est entier, il est debout. La tête est à Kanda, Angola. L'abdomen, c'est la RD Congo. Et les pieds, c'est le Congo France, Mbanza Kimbangu, que les Français occupent aujourd'hui. Hein? Donc, c'est le Congo de naturel avant Berlin. Hein? Donc, on est des Congolois. Donc, des Congolois. Un Longhi viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ce Longhi, qui préparera le peuple Congo? Car l'arrivée du grand roi, l'arrivée du roi sera meurtrie, très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Verset 22 du livre 4 du ministère, chapitre 33, donc verset 22. Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui t'ont envoyé par le Père Tout-Puissant, Pungutu Lendo, Mpungu, le Mpou, le chapeau matrice qui gouverne l'univers. Mpungu, Mpungu, Ngudi, Mpou, Mpungu, 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 Ngudi, 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 Pungu, Pungu, Mpungu, 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 Tulendo, Dezo, Tata Mwanda, Mwanda Congo, Mwanda Congo, Mwanda Congo. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le Congo, avec K s'il vous plaît, le Congo, Congo, commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Il prévaudra dans les années à venir les conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Tata Kimbangu Kyangani. Ces actes de puissance que vous avez reçus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au verset 24 du livre 4, le ministère, chapitre 33. Verset 34. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit un Kamba, un temple immense, dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. Verset 25. Pelegete, Yepakundungu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Thank you.
quoi sert à l'homme? À quoi sert à l'homme? À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Tataki Mangu Kiangani. À quoi sert aux humains sur terre de s'attaquer à cette divinité Passimaki Mangu Kiangani? Si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever le petit doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez, car exister physiquement, c'est apparaître comme quelque chose d'insignifiant. Pourquoi, verset 26 du livre 3, le ministère, de ce chapitre 33, donc le verset 26, il est dit, pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu, Tataki Mangu Kiangani, telle est son appellation actuelle. Il habite en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. C'est le patron de la quatrième et dernière génération. Le chef spirituel et représentant légal de la nouvelle manière des vécus des humains sur terre, qu'on appelle le Kimbongizi, qui se résume par la triptyque le Bomimi, Bolingo, Nibeko, Nisala, ou le Zondissa, c'est-à-dire Zola, Nsiku, Exode 21-17, Deutéronome 5-1-21, donc Nsiku, Kuntiantangu, Skunti, Kuntiantangu, et par les bonnes œuvres, donc le travail. Le travail convenable, approprié. Sinon, donc, je disais, pourquoi vouloir tuer son prochain et rester, espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Verset 27, 72 revient, 7 et 2 revient, Pakudugu Plegete revient. Non, Nungwa Pluga revient, plutôt Nungwa Pluga, parce qu'on est le 27. 27 avril, Moudia Longo. 27, sa divinité nous a rappelé les 10 commandements. 27, le 2, 7, c'est 9, le renouvellement. 7, 2, 72, l'année nous avons décidé de revenir sur terre. 72, l'année où pour enfants longs, avec des monnaies des enfants, les Bomimi, les Bissikabi, l'Utendele, JL, JB. La génération du Congo perd. Perdra tout. Elle sera embrouillée par les principes et les enseignements. Je répète, la génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Je répète, la génération du Congo, on est le 10 septembre 1921, en plein 20e siècle. Nous célébrons cette année le 103e. Donc il y a 103 ans de cela. Papa Simon Kimbangu premier parle. On est le samedi 10 septembre 1921. Il dit bien, la génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra plus le principe maritaux de ses ancêtres. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors, Papa Kimbangu recommande et ordonne par son propos fait force de loi. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Européens seront oubliées, car venues sur terre par erreur,
la tour de Babel, c'est une incompréhension diabolique. Et ce qui est venu par erreur, quand on va corriger, eh ben forcément, on enlève le mal. Et donc, l'ordre reviendra. Ndinga ki mosikwani salamunza. Dibuni mosikwani salamunza. Yentinu mosikwani yalanza ya onsono ya mvimba. Yani kumbwe, tata simoni ki mangu kiangani. Yentinu vantinu. Yani tinu wabantinu wafwa mule duzu wawutuka le duzu kafwa nane mutu oyani tinu wabantinu oyani tinu wabantinu wafwa mule duzu wawutuka le duzu kafwa nane mutu yandi inkaka kimbangu wunu kikitu mbokele mukakele ntwe nazele zavo yani kumwanie entinu wowo wona luyala kadi muvutula kimpeve kina dede atrevo siros seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel wakikadilanga wena esia kati ntanga imani mwene mbe kumukata mwene mkintwena kenye siros siros isabu kentasi le seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel et yani mpeve yoyowe wizi vutuka kwa ni mvutula kimpeve kiandi mnzila ya nsonga rétablir l'ordre spirituel nzila ya songa atelevo mono simoni kimbangu buya yiza ya baka nkumbu simoni kimbangu buya yizi didiaka mungiza ya nzole nkumbu amedyangenda kuntima yosefi ya vutu kididiaka mungiza ya ntatu mvutu di nkumbu ame simoni kimbangu kyangani hatata Bantu baya mwese swampasi kabakunze yepo kabeti kungwilako Bantu baya mwese swampasi kabakunze yepo kabeti kungwilako Tata mfumwa manza Buwa kala kwenda ya kutela vo tata tata natandoki zaku kisala kwa meye bandokiko kadintangu ingi bakwa misinkangwa me Tata mfumwa manza, buwa kala kwenda, ya kutela vo. Tata, tata, natandoki zaku, kisala kwa meye bandokiko. Kadintangu ingi bakwa misinkangwa me. Buya yantiki disalukya me. Buya yantiki disalukya me, yalutelele luwa.